Bonjour tout le monde, ici Pika Pofficier pour un épisode de God of War Ragnarok. On est dans le camp de Frey. On est avec Ferreira. Et on essaye de trouver une façon de canceller le sort qu'elle a dessus. Donc, ce qu'on va faire, on va tenter de le faire. Il est là. Ce camp doit rester secret. Compris? Birgir. Je ne peux pas le mettre en péril. Non, il n'oserait pas. Bien. T'es quoi, toi? Un genre d'elfe? Oh! C'est un cochon, c'est quoi ça? C'est un chien? Oh, je l'adore. Donc on est arrivé par là. Ok, c'est comme un camp, ça. Oh. Nouveau parchemin. La complainte de Frey. Je ne peux pas faire ça. Seulement, je dois le faire. J'écris ces mots parce que je ne peux les prononcer. J'écris ces mots parce qu'un jour, si tout se passe bien, ils seront un amusant rappel de l'homme que j'étais. Un homme effrayé, un homme complètement dépassé, un homme qui ne peut s'empêcher de se poser la même question encore et encore. Que ferait-elle? C'est elle que j'aimerais poser la question, mais elle est partie. Alors, j'imagine que je vais devoir répondre pour elle. Elle me dirait d'arrêter de me plaindre. Elle me dirait que je ne compte pas, que mes peurs et mes faiblesses sont insignifiantes, que la seule chose qui importe est de libérer le peuple de Vanaheim du joug des Haz. Elle me dirait que j'ai le droit d'avoir peur, que j'ai le droit d'être en colère, mais que par-dessus tout, j'ai le devoir d'être fort. Le peuple de Vanaheim a besoin d'un chef, et dans l'immédiat, il semble que je suis la meilleure option. Qu'est-ce que j'aimerais qu'elle soit là, Frey? Ben là, elle est que vous allez me donner une nouvelle compétence. C'est pittoresque, je dois l'admettre. Désolé, étranger, on est parti du mauvais pied. On a surtout l'habitude de croiser des as par ici. Les visages amicaux se font rares. C'est bien un visage amical, hein? Son nom est Kratos, et non. Les as sont à Vanaheim? Ils occupent le royaume depuis... trop longtemps. Quel est ton plan? J'y travaille toujours. Mon frère, je crois que je peux me rendre utile. Si mon avis est le bienvenu. Je t'écoute. Dis-moi. Ta mission sera nettement plus facile si je ne suis pas dans tes pattes. Reviens me chercher quand tu auras fini. Oh, j'ai même pas... J'ai pas Kratos, si tu travailles pour ma sœur, prends garde à ne pas faire d'erreur. Pardon, n'est pas son point fort. Je crains que ce ne soit un peu trop tard. Très bien, voyons ce que nous avons là. Parle-moi de ton armée. Je viens de la rencontrer. Quoi, vous cinq? Contre toute l'armée d'Odin? Six, en comptant le chien. Oh, misère. Eh oui. Sais-tu combien ils sont? Oh, tu sais, nombre, manœuvre, avant-poste. On est bien renseigné, mais... on manque un peu d'effectifs. Je vois. Eh bien, jetons un coup d'œil à cette carte. C'est quoi ça? Je peux te voir, moi et tout? Donc, connaissance alliée, j'ose espérer. Frey. À Vanaheim, nous avons rencontré Frey, le frère de Freya. Ce n'est pas un dieu comme les autres. Il a un côté espiègle et n'est pas aussi impressionnant que sa sœur, mais ses alliés semblent fidèles. Même si je m'étonne qu'ils soient capables de travailler ensemble, ils ne ressemblent à aucun grand dirigeant que j'ai connu. Ils ne partagent pas non plus leurs forces. Comment parvient-il à unir ainsi d'autres ennemis? D'anciens ennemis, cela fonctionnera-t-il avec Freya?
faut que j'aille là. Fait que si je m'en vais là, c'est quoi qu'il y a là? Ah, je vois un petit peu plus proche, toi. Tu ressembles à quoi? T'es comme un singe diablotin. Qu'est-ce que c'est? Hostie, je peux pas le faire. Avoir su. À cette place-là. Là, on va aller en bateau par là, m'emmener. Tout a l'air d'avoir un sens. Right? Je ne fais que passer. Mais ouvrir des portes, il est fâché. Maintenant qu'il n'y a plus personne pour nous distraire. J'ai des choses à te dire. Je t'écoute. Cette colère que tu ressens pour ton frère, je la connais bien. Tu as un frère? Son nom était Deimos. Quand nous étions enfants, il fut enlevé par deux dieux obnubilés par la prophétie. Les dieux de ma terre ne laissaient que peu de vie sauve, et quand j'ai enfin appris qu'il avait survécu, il était trop tard pour me racheter. Sa haine s'était retournée contre moi, mais je n'ai jamais cessé de l'aimer. Penses-tu que ma colère soit injustifiée? Tu as à peine entrevu Frayeur, et déjà tu prends sa défense. Je ne prends pas sa défense. Non. Tu ne fais que donner ton avis sur un sujet auquel tu ne connais rien. Ça, il y avait un frère, lui, hein? J'ai jamais joué au jeu. Ben, j'avais commencé à jouer au jeu avec son frère, mais j'ai jamais fini au complet. Il y a beaucoup de sons d'animaux, hein? C'est... J'ai ça. Quand qui. Je sais pas si on voit une autre arme, par exemple, que la hache puis les. Ce serait fou, hein, qu'on ait une troisième arme. Une quatrième. Hein. Faut-tu que j'aille là? Je pense qu'il faut que j'aille là. Fait que si je vois là. Oh! Quelque chose. Une petite marge de santé, ça, qu'on fait. Ça pourrait être top de trouver un oiseau, un corbeau dans tout ça. Mais il y en a un. Il m'en faut quoi, 19?
Maudit sois-tu acide. Ou poison, pas tout ça quoi. Hein. Qu'est-ce que j'entends? Un ancien. Est-ce que je dois l'attaquer? Est-ce qu'il est sympathique? Il est pas sympathique, ok. Oui, c'est vrai, comme ça qu'on faisait ça. C'est vrai, j'utilisais ça. Mais... Fait mal. Lance tes affaires, ouais. Quelque chose déjà en arrière de lui. Hein. Oh shit. Tu as déjà affronté ces créatures, n'est-ce pas? Flamme du chaos, amélioration d'armes. J'ai quasiment envie de retourner en arrière et upgrader ça. Et oui, on en a affronté plusieurs variétés. Je dois l'admettre. Ça doit être un primordiaux, ça. Ancienne bois. Les jeunes de Valhalla débordent de Mejivan et les anciens de bois en sont une des manifestations. C'est toutefois une dénomination trompeuse, bien qu'ils ressemblent aux anciens de Givre et de Feu de Midgard. Ces colosses forestiers semblables s'assemblent et se disloquent au cours de la saison. Les vannes les laissent généralement tranquilles, mais un certain duo de forgerons apprécie leur cœur. Qu'un certain dieu de la guerre exilé se fait une joie d'échanger contre le plus puissant équipement. Faut
que j'aille par là. C'est ce que tu es en train de faire. Tu joues sur ma corde sensible pour que je te laisse vivre. J'essaie simplement de t'aider. Nous ne devrions pas reproduire les erreurs du passé. Épargne-moi le récit de tes erreurs. J'ai assez à faire avec les miennes. De toute façon, je peux aller là. Il y a un treasure. Sûrement. Fuck is that? Oh, ok. Hey les amis. Ça gaz? Est-ce qu'on... Je peux pas me battre. Je dois admettre que le truc de rage qui soigne, c'est bien. Mais fais-toi du bouclier sonique des goulons. Des gulons. Et franchis sa garde aussi vite que possible. C'est vrai que je peux checker si j'ai pas des compétences à débloquer. Pour l'instant, non. Mais aussitôt que je vais le rendre niveau 3, oui. Ah, pour monter là, il va falloir que j'aille la magie jaune, je sais pas trop c'est quoi. Tout le monde a toujours un conseil à me donner, alors que personne ne connaît rien de moi. La plus grande perte de ma vie est due au fait que tu m'as sauvée, alors que je t'avais expressément demandé de ne pas le faire. C'était ma famille. Mon problème. Baldur n'était certes pas parfait, mais il était à moi. Je sais. Tu sais. Crois-tu seulement avoir la moindre idée de ce que c'est que de perdre un enfant? Oui. Je le sais. Tu en as eu un autre. Avant Atreus? Son nom était Calliope. Calliope? Que s'est-il passé? C'était il y a longtemps. Pardonne-moi. Je n'aurais pas dû demander. J'ai pas vu le corbeau, hein. Ben, j'avoue qu'il y a une autre zone ici qu'on n'a pas été voir, fait que on va revenir. Bois de Berry Est. L'acier nain, ça c'est bien.
encore bloqué. Hey, j'ai hâte d'avoir la compétence. De bon, je t'avais débloqué quelque chose qui va me permettre de péter ces affaires-là. Du vent. Ça va être je reviens. Désolé, c'était Rocky qui commençait à vouloir aller dans des places que j'aime pas, comme sous la PlayStation ou sur la PlayStation. Donc là, il fait ça quand il veut de l'attention. Fait qu'est-ce que je fais quand je stream? Ben, je ferme la porte et il joue à l'extérieur. Habituellement, quand je finis le stream, ils vont me coucher puis je dors avec. Là, fait que c'est pas bien grave. Ce qui est très tannant. Des Eneria. Des quoi? Oh! Ouais, c'est ça. Cette façon de monter là. Perfect.
What the fuck is that? Tu donnes un élément à cette créature-là dans le nom. Ça veut dire qu'il y en a d'autres, mais elle donne d'autres éléments. Oh, des schnitzel. Archie est nu. L'expansion de dingue d'énergie de Bifrost continue à nous causer un tort. Cette fois, c'est à travers les flèches longues portées qui décochent ces archers Enedjar. Je ne souhaite en aucun cas lui accorder un quelconque crédit, mais il faut reconnaître que tactiquement, c'est brillant. Une dose de Bifrost pour les bêtes, une pour les armes à courte portée, une pour les flèches cependant. Ils iront ici avec la tradition jusque-là. Les armes des Enderlords reflétaient leur choix de vie maintenant. Codin a levé cette restriction. Jusqu'où ira-t-il? Ces archers sont de genre fuyant. Essaie de t'en approcher rapidement ou utiliser une attaque à distance pour te poster. Ça, c'est clairement une bête, qu'est-ce que j'ai vu là? Un Groungle de flamme. La monture de prédilection des Enderlords d'Odin. Elle ressemble à un lion de graisse avec les cornes d'une chèvre, les bois d'un cerf et une capacité surnaturelle à enflammer le feuillage autour d'elle. J'ai bien aimé ça. C'est même pas un boss, là, c'est juste une créature. Nous devons atteindre cette tour de guet. Il nous faudra traverser la vallée, par ici. Traverser la vallée pour rejoindre la tour de guet. Je dois te raconter celle de ma fille. Au service d'un dieu cruel, j'ai détruit malgré moi un village. J'ignorais que mon épouse et ma fille s'y trouvaient avant que leur sang tache mes mains. J'ai juré de me venger. C'est... Je ne peux l'imaginer. J'ai fait payer leur mort 1000 fois et j'ai réduit l'Olympe en cendres. Mais la culpabilité demeure. Tu me tueras peut-être, Freya. Mais ça ne t'apportera pas la paix. Ce n'est peut-être pas la paix qui m'intéresse. Récap des premiers God of War.
checker si je vois pas un corbeau, quelque chose. Ça, je les entends tu très bien. Toi où je t'ai trouvé. Pourquoi as-tu refusé de m'affronter? Ce combat n'aurait mené qu'à une défaite. Qu'entends-tu par là? Je ne te veux aucun mal, Freya. Tu nous as aidés. Tu as sauvé Atreus de la maladie. Je ne voulais ni être responsable de ta mort, ni me résigner à mourir. Je vois. Il a évolué, Kratos. Il a vraiment évolué. C'est la seule place qu'il n'y a pas de camélinité, là. C'est quoi ça? Une extraterrestre? Une Noken, si près du village. Son chant rend ses alliés invulnérables. Ils ne te laisseront pas passer tant que tu ne les auras pas tous vaincus. Ça, c'est nouveau. Une Neken. Ça me dit quelque chose. J'ai pas déjà entendu ça quelque part, une Neken. Une Heineken. Non, ça, c'est une bière, ça, excusez. C'est-tu considéré un primordial, un monstre? Une bête, peut-être? Non. Noken maudite. Cette charmante cousine de l'humble Noken a acquis la capacité de confronter des avantages à ses alliés au combat. Elle compte sur la force de ces derniers pour la protéger. C'est fascinant. Cette intelligence qu'ont acquis ces petites choses depuis qu'elles sont sorties du trou d'où elles proviennent. Il n'y avait pas un premier de ça. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Le moment d'honnêteté, c'était quoi qui faisait ce son-là? Ça ressemblait à une extraterrestre. Je le reconnais à peine. Freyr et moi, nous jouions à cache-cache dans les champs. Nous passions nos journées à voler du pain de miel dans la grande halle. Lors des récoltes, nous dansions et chantions jusqu'au petit jour. Tout était si simple. Pourquoi fallait-il que je revienne ici et me remémore tout ceci? C'est clair qu'il y a un corbeau qui passe. Combat. Non. Pas de combat. Nouveau parchemin de connaissance, corvée. Merci de t'occuper de ma corvée en mon absence. Je ne manquerai pas de te rapporter un souvenir à Midgard, sans doute un glaçon. Bon, voilà ma routine quotidienne. Veille à t'y conformer autant que possible. Lève-toi avec le soleil. Chuchote à l'attention des plantes, n'importe quoi, même si elles préfèrent les secrets.
Nourris les cochons, commence par écraser des baies dans le fourrage. Si les baies sont trop acides, tu trouveras un plan sous le lit. Un simple sort de pouce devrait suffire à le faire mûrir. Va chercher de l'eau à la rivière, récolte des corses pour le bois de chauffage, détends-toi. C'est tout, j'ai hâte de te revoir à mon retour. Je voyais un coffre là. Pourquoi je me battrais? Je pense qu'il y aurait plus de combats si j'aurais fait ça plus... plus ardu, plus de combats, je sais pas trop. Je pense que la personne peut me raiser, hein? Right? Fuck. Ok, faut que je fasse attention, c'est tout. Peut-être que je peux la tirer jusqu'ici. Pas de storm pour le... Yeah!
juste le gel quand il fait ça, là. Ok, au pire, je vais me battre autour de l'arme. Non, je sais pas. Qui est rough, ce tabarnak là? Tout seul, sans Atreus, là, c'est rough. Sans personne pour me réanimer aussi, c'est rough. Je vais l'avoir. Je pense que si je les gèle, je suis ouvert. Oh!
On l'a eu. Je l'ai déjà affronté. On l'a eu. C'est quoi, notre quatrième fois qu'on l'affronte? Charbon souverain. Étincelle de chaos, meilleur à son temps. Puis il y a un trou, il doit y avoir quelque chose au bord de ça. Rond de rétablissement. Moi, c'est quoi que j'ai déjà? Lorsque subit des dégâts, Kratos a une chance d'obtenir de la défense et à son coup de bouclier suivant deux fois un regain de santé. Les chances augmentent à mesure que la santé diminue. Yes! Je vais l'utiliser fort volontairement. Oh. Oh mon petit Christ. Il est celui qui soigne là mon asti. Village abandonné. Qui doit avoir un corbeau ici. Freya ne jamais trembler. Il manque l'autre moitié. Puisse-t-elle toujours nous protéger? Puisse Freya ne jamais trembler. Freya était profondément aimée des siens. Il semble avoir abandonné ce village depuis longtemps sous la contrainte, je ne saurais le dire, mais j'ai eu le sentiment que ses mots sont remplis d'aigreur par son absence. C'est un vieux dicton. J'allais dans le trou là. Je les entends à l'intérieur. Tiens-toi prêt à les éliminer. Ah!
C'est satisfaisant. You load. Quel combat satisfaisant. Comme si ce coup d'un fait n'était pas suffisant. Il a aussi détruit tous les souvenirs de mon foyer. Estime-toi heureuse d'avoir de bons souvenirs de ton foyer. À Sparte, on est enlevé à son foyer dès l'enfance et on reçoit l'agogée. On marche où l'on tombe. On se bat pour des restes où l'on meurt de faim. On est battu par ses aînés jusqu'à ne plus tenir debout. La nuit, on rentre seul en tentant d'échapper au loup. C'est ainsi que grandit un Spartiate. C'est le fun. Bestiaire, je pense que j'ai des nouvelles informations sur les brutes. L'armure épaisse des brutes les rend difficiles à interrompre. Il faudra recourir à des attaques avancées pour les déstabiliser. Certains sont armés de lames avec lesquelles ils portent des séries d'attaques rapides. Essaie de les parer pour interrompre leur enchaînement. Certains archers sont munis de boucliers. Tu peux briser leur garde au corps à corps, un coup de bouclier ou te servir des flèches sigillaires pour neutraliser leur défense à distance. Je dois admettre que le jeu m'impressionne. J'ai adoré... à date, là, cette année, là, mon coup de cœur, c'était Horizon Forbidden West. Mais là, celui-ci, je pense, va prendre la place vraiment là, pour mon jeu de l'année. Là. Mais c'est pas fini l'année. Hein. Il nous reste encore des jeux encore. Je peux aller au bout? Attends, wow. Mais c'est deux types de jeux différents, je veux dire. Horizon Forbidden West était vraiment le fun, vraiment intéressant, beaucoup de diversité aussi. Sauf que c'était un open world. J'aime les open world, mais j'aime mieux des jeux comme ça, là. T'as une ligne, t'as une histoire, t'as un petit peu d'exploration, mais pas énormément. C'est correct, je veux dire. Mais je sais qu'il va en avoir de l'exploration à m'emmener, là. Il y a beaucoup de backtracking qu'il va falloir que je fasse dans celui-là. Ça me tente de le faire. Hein. Hello. Yeah.
truc là. Un coffre. C'est une plante, c'est un corbeau dedans. Les corbeaux de daim partout. Moi. Bon, ça va être quoi ça? On va découvrir ça au prochain épisode parce qu'on va arrêter cela. Donc moi je vous dis merci d'avoir été tout le monde, puis à tous, et à la prochaine.